Elle a dit le poulet c'est comme le dessert. Quand même. Non, est-ce que quelqu'un peut noter cette phrase en commentaire? Le poulet, écoutez, c'est comme le dessert. Écoutez. Hello, hello, hello les incroyables, la team incroyable, on espère que vous allez bien. La famille les incroyables. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur YouTube. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur. Et c'était le boulot, vous savez, Colia. Enfin, tu connais. Tu connais. Ligament croisé, tu connais. Ligament croisé, tu connais. Bon, là, on n'est pas à Dakar. On est à Paname, mais aujourd'hui, on a une journée incroyable. Aujourd'hui, qui nous attend. On a une journée gourmande. Ouais, ouais, nous allons prêt. Actuellement aux Galeries Lafayette. Yes. Pour vivre une journée. Une journée gourmande. On va tester. Trois des 20 restaurants, une vingtaine de restaurants. Ouais, plus, hein, ouais. Je pense, avec tous les food court et ouais, tout. On va tester trois des 20 restaurants, des galeries. Ouais. Et on va aller à la cave pour Karel. Oui, de la bon, galerie. Je vais faire un petit tour tranquille. Tu vois, on sait jamais ce que je peux découvrir. Comme, et l'idée, comme petite, c'est de vous montrer un bon plan de choses que vous pouvez faire quand vous venez Paris. Sur Paris. Ouais. Ou si vous habitez sur Paris. Voilà. Suivez-nous dans notre aventure. Let's go la famille. On vient d'arriver au premier restaurant qu'on va tester. C'est trop beau, en fait. Il s'appelle Elle et Elle. Vous allez voir, c'est un univers tout girly, rose là. Je ne sais pas encore ce qu'on va manger. En fait, c'est trop beau. Mais on a trop hâte. On a trop hâte. On va commencer dans les sucreries. Regardez-moi ça. On est dans le sucré là. On est dans mon élément. En fait, aujourd'hui, en fait, ils sont pas prêts. Hein. En fait, aujourd'hui, on va faire que manger. Demain, on va au sport. Demain, on va à la salle. Non, demain, on va. Regardez comment le menu est présenté. Comme ça, tactile, tac. J'ai faim, ça sent très bon. On va aller s'asseoir, trouver un spot. On va vous faire des jolis plans. Allez voir, ça va péter. On va manger surtout. On va manger. Allez, bon, suivez-nous. Votre go s'est déjà installé. Non, je suis prête, en fait. Elle a trouvé son petit spot. T'es bien là. Coffee. And... Alors qu'elle boit pas de café, vraiment. Est-ce que. Alors, je ne bois pas de café, mais excuse-moi, j'ai découvert le iced latte que j'ai fait moi-même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut apprécier le drip de votre go? Oui, j'arrive. S'il te plaît. Je suis au soleil en plus. Un petit peu, s'il te plaît. S'il vous plaît. Hein? En fait, ce qu'elle veut vous montrer, c'est pas son goût. Moi, si, il y a le goût, mais il y a surtout l'affaire qui va aller. C'est ça qu'elle veut vous montrer. Et voilà, petite terrasse parisienne. Ça va tellement sur le toit de Paris. Voilà. On va manger. Voilà. C'est ça le mot d'ordre de l'épisode YouTube. On va manger, on va d'arbre. Ok, bon, on vient de s'installer. C'est-à-dire que votre ami n'a pas perdu de temps. Elle me calcule même pas, c'est-à-dire je suis en train de lattes, filmer, elle est tout ce qu'elle café glacé, regarde la carte. Et des croissants fourrés, elle est brunch. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Franchement, je. Alors déjà, bon, attendez. Première page, il y a écrit, je sais pas si vous allez voir, parce que là j'ai pas reçu un petit peu un peu trop mais 3, 4, il y a écrit latte 6. Instagrammable. Il y a 6 pages, je vais mettre pause, je vais regarder ce que je mange et je reviens. Latte instagrammable, s'il vous plaît. Bon, ça déjà, tu prends ça, obligé. Un latte instagrammable? Obligé, on prend le latte instagrammable. Combien il y en a trois? Il y en a trois. Est-ce qu'il est vraiment instagrammable? On va voir. That's c'est the ça. Question. That's the question. That's bon. The question. On revient, on commande, on revient. Bon, désolé si vous entendez fort la musique, ils viennent d'allumer la musique. Votre go a regardé le menu, elle a dit putain, on va jamais maigrir. On va jamais maigrir. Je sais pas. Et là, c'est que le début de la journée, on doit tester deux autres restaurants en plus. Et la cave, elle doit tester la cave parce que bon, vous savez que votre. Vous savez, non, vous savez. Elle est dans les bails. Vous savez. Voilà. Hein. Mais elle a dit putain, on va jamais maigrir. On a passé la commande. Oui, votre go, vous voyez, elle est contente, elle chante. C'est parce qu'on va la passer la commande, elle chante. Non, c'est parce que la musique, elle est intéressante aussi. Ouais, aussi. Alors, j'ai commandé un œuf bénédicte. Avec de l'avocat, je crois. Ouais. C'est ça que j'ai commandé. Hein. Je sais pas. Non, il y avait c'était juste œuf bénédict. Moi, j'ai pris une tartine d'avocat. Elle a pris une tartine d'avocat. Moi, j'ai pris une tartine d'avocat. Il y avait trop de choix. On est parti dans du salé. C'est le petit déj, brunch. On est dans une bonne. Il est quelle heure là? Parce que je parle de brunch, il est 11h. 11h20. Oui, c'est ça, on est dans les temps. On est dans les temps.
On a commandé des petites boissons sucrées, roses, tout et tout. On va en se même régaler. Temps, je suis en train de faire des... Elle est en train de... Regardez, elle est en train d'installer son setup. J'avais hein. Déjà posé mon cadre. Voilà. J'avais déjà posé mon c'est cadre. Pour, c'est pour ça, qu'elle nous, c'est cadre. Pour ça qu'elle nous regarde pas. On est en train de parler, mais elle nous regarde pas parce qu'elle est en train de se regarder, elle, dans la vidéo. Bref. C'est pour le réel que vous allez trouver sur Instagram. Il y avait trop de choix. Il y avait trop de choix. Et ce qu'il nous expliquait ici aux galeries, c'est que là, on est le matin, donc c'est calme, il n'y a pas trop de monde. Mais qu'en journée, c'est plein. C'est pas possible de venir sur réservation, donc t'as intérêt à être. C'est ça, faut venir à l'heure. C'est première heure, premier servi. Premier servi. Mais le cadre, il est trop stylé. Ah non, c'est trop beau. En fait, tu peux faire des photos Instagram partout. J'ai hâte de voir ce qu'on va manger. Si c'est aussi beau que l'endroit. À tout de suite. C'est bien dit ça. T'as vu ça? Non, c'est pas mal. Ça mérite un bisou. C'est pas mal. C'est ça ton bisou? Mais viens. Voilà, ça mérite un bisou. L et N. Hein? Ok, c'est un concept qui vient de Londres. Okay. Donc tout est rose, le sucre, des petites roses, des petites fleurs là sur la terrasse, la petite table, le petit décor. Franchement. Everything is pink. Genre tu parles anglais quoi. Genre, quoi? Toi tu parles anglais quoi. Hey sugar. C'est les choses que vous voyez rarement. Les behind the scenes des réels que vous allez voir sur Instagram. Voilà comment elle se met dans des positions incroyables pour j'ai vous. J'ai même mal au dos, les gars. Elle a mal au dos et elle est là. Mais elle fait le taf. Franchement, ça a l'air trop bon. Trop bon. Ok. On a reçu. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des plats? Regardez, votre go, elle est quand même dans le healthy life. Elle fait attention à une petite tartine d'avocat, petit pain au levain. Oui, c'est un pain au levain. Petit pain au levain, hein, petite fleur dessus. Elle fait attention à elle, mais elle a quand même pris. Voilà. Quoi? Moi, regardez-moi cette assiette. Oui, on va partager tout de suite, on va partager tout ça. Œuf bénédict. On va partager tout ça. Avec un bacon de veau. Jamais mangé de bacon de veau. Je vais me régaler. Non, on va se régaler, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je vais me régaler. Regarde, je sais pas, je suis en train de couper la patate. Regardez-moi ça. En fait, la voyez pas, il y a un petit cœur qui est dessus. Tu me donnes lequel? Donnez quoi? Mon partage, t'as pas vu? J'ai coupé la moitié. Mais est-ce que moi je t'ai dit je veux ton avocat? Oui, parce que tu voulais prendre ça même de base. Oh, regarde, l'œuf il va couler. Vous voyez le mariage, ça sent bon, hein. Mais c'est là on voit son mauvais. Moi j'ai commandé mon assiette pour moi. Elle a commandé son assiette pour elle. Moi, c'est pareil, parce qu'en fait de base il voulait prendre la tartine d'avocat. En fait, c'est pour ça que j'ai pris ça. Comme ça je pensais que tu prends ça et comme ça on est contents tous les deux. On est contents tous les deux. Est-ce que moi j'ai dit je suis content? Vous voyez ma tête, est-ce que j'ai l'air content? Moi j'ai pas envie de partir. Bon vas-y, allez, c'est bon. Prends vite, serre-toi avant que je change d'avis. Les gars, venez manger avec nous. Bismillah. Hein. Merci. Tu veux me chipper? Est-ce que tu m'entendais? J'ai vu ta bouche. Vous m'avez vu? Il faudra zoomer sur cette partie. Bon appétit, mon amour. Bon appétit, mon cœur. Bon brunch. Moi aussi, je t'aime. On vous aime aussi. On va voir ce que donne cette tartine toast d'avocat. Faites comme nous. Pas que je me tâche. L'avocat est frais. T'as goûté le bacon? Non, pas encore. Bacon de veau. On va attaquer la bête. Ouais, gros coup de cœur sur tes œufs. Franchement, gros coup de cœur sur mes œufs. Regardez-moi ça. Le pain, petite fleur, avocat, bacon de veau. Moi, c'est ça qui me tue, bacon de veau. Qu'est-ce que ça donne? J'ai jamais mangé de bacon de veau. Doucement, c'est pas bon. On a le temps, mon bébé. Il y a de bacon de veau, ça envoie. Non, en plus, et puis c'est pas, ils ont mis doucement. Ils ont bien dosé le bacon. Oh là là. Hey, le bacon de veau, ça envoie fort. Franchement, le bacon de veau, c'est bon. C'est super bon. Et comme j'ai dit, ils mettent une vraie quantité. Hein. En plus, c'est vraiment le bacon de veau. Franchement, il est rose. On n'a pas dit si tu sais pas, tu sais pas. De toute façon, le bacon des roses, est-ce que c'est vraiment du bacon de veau? Je vais faire comme toi, je sais qu'on est tout maintenant, mais il faut envoyer des vrais bouchées. Mais c'est doux, hein? Mmh.
T'as vu comment ça boit? Ça envoie, hein? C'est doux, hein? Franchement, si vous venez aux galeries, oh, c'est bon. Venez chez L et N. Prenez l'œuf bénédict là. On veut ce qu'on a pris. Je crois que je vais demander à la cuisine qui me donne du bacon de veau sur le côté parce que là, depuis tout à l'heure, carrément, on n'arrive pas à faire. Croyez-moi, les gens, j'aime manger. Ça là, c'est doux. Le goût de ça. Il était pas sec. Je crois que je vais appeler cet épisode le bacon de veau. Mince. On va appeler cet épisode. On va appeler cet épisode, on a mangé 6800 calories. En fait, on aurait dû faire un ASMR de quand on mange, parce que tous les bruits qu'on fait tout à l'heure, on est là. Oui, mais la musique, il y a tout, tu vois. Les incroyables. On vient de finir le premier spot. On a été. Hélène, on a été sage, on a commandé qu'un petit truc. Bien balèze, mais leur carte elle est en fait, t'as envie de tout manger sur leur carte, tout manger. Et là, on doit aller manger ailleurs encore. C'est pas une vie, non? Si, c'est ma vie qu'on mérite. Il faut qu'on aille au sport, Karen. Oui, jeudi, on va au sport. On est mardi, jeudi, on va au sport. Non, mais c'est très bien, de toute façon. Voilà, parce que demain, on a une autre journée où on va faire manger. Que manger encore. Oui. La vie. Non, c'est pas la vie. Vous pensez pas que c'est la vie? Si vous pensez que manger c'est la vie, écrivez c'est la vie. La famille des incroyables. Alors d'abord, avant de commencer, oui. Est-ce qu'ils peuvent apprécier la vue? Merci de mettre un like pour cette vue extraordinaire qu'on vous a apportée sur la chaîne de Karel et Olivier. D'apprécier la vue. Ensuite. Merci de mettre un like pour apprécier, s'il vous plaît, le glow. Le teint, choco, caramel. Du visage. Merci. Il a dit, c'est un teint mi-Dakar, mi-Paris. Oui, voilà. Voilà. T'as mis ton like? T'as mis ton like? C'est bon. Là, on est. Là, on vient d'arriver au restaurant Créature. Créature, qui est sur les toits des Galeries Lafayette. C'est important. On est sur la terrasse des galeries. C'est tout en haut, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien au-dessus de nous, si ce n'est le ciel. Si ce n'est le ciel. Et tous ces beaux toits de Paris. Ouais. On vient de terminer chez Hélène. On a bien mangé. Et comme on vous l'a dit, aujourd'hui, c'est escapade. Aujourd'hui, on est dans les calories. J'ai dit escalade gourmande. Parce qu'en fait, escalade la nourriture. On escalade la nourriture. On monte on comme ça. On les monte comme ça. Voilà. Donc là, on va manger. C'est un restaurant végétarien. Votre bouc va manger végétarien. Franchement. Et franchement, j'ai hâte de découvrir ce qu'on va manger. Mais on était déjà venu l'année dernière. Oui, on est venu l'année dernière avec notre ami Ami. Ouais, notre ami Ami. Notre ami Ami qui avait fait un événement. Mais on n'était pas Ami, on était à Paris. Je me casse. Bon allez, on va manger. À toutes. Ok, nous avons reçu nos assiettes. Regardez-moi cette table gourmande. Non, elle est bien mignonne. Et tout est végétarien. Tout est végétarien. C'est-à-dire que là, oui, c'est vrai. Tout est végétarien. Et en fait, c'est tellement bon, c'est tellement frais. Je sais pas par où commencer, mais tout est bon. Là, c'est à la patate douce. Ouais. Là, c'est l'avené, je crois. Là, c'est une salade feta. Non, l'avené est de l'autre côté. Ok. Je sais plus. Salade feta. Ouais, salade feta. Un petit pain. Pain, zatar. Zatar, petite brioche. Non, c'est un pain. Ah, pardon, c'est un pain. Mais excellent. En fait, tout est frais, tout est bon. Là, il y a un millefeuille betterave. Millefeuille betterave. Il n'y a pas que de la betterave. J'ai oublié ce qu'il y avait d'autres encore dedans. D'accord. On vous mettra tout en description. Et on mange encore. Oui, non, mais on a dit que c'est la thématique de la journée. La thématique de la journée, c'est manger. Une escapade de gourmande aujourd'hui. Merci, Karel. De rien. Et franchement, faites pas comme moi. J'avais des préjugés avant sur les restaurants végétariens, mais venez manger. Et vous allez voir comment c'est bon. C'est-à-dire que même moi, je commence à réfléchir, à me dire, mais je peux devenir végétarien. Je peux. Si, je peux. Franchement, si je mange comme ça tous les jours, je peux. C'est trop bon. Et avec la vue encore, comme on vous a dit. Mais...
Regardez-moi ça. On a du beau temps. Magnifique. Je vous dis, les galeries, vous pouvez manger au petit déjeuner, faire votre shopping, faire du sport, manger à midi, manger le 4 heures, manger le soir. Tu peux passer ta journée à manger et faire du shopping. Et en plus, tu peux faire du sport. Et en plus, tu peux acheter des trucs pour tes enfants. Et en plus, tu peux acheter des cadeaux pour quand tu rentres à la maison. Tu peux tout faire. Il est 14h57, oui. Nous venons de terminer chez Créature, on continue à la maison Le Gourmet, on va à la cave la famille. On et va qu'est-ce que cave. Tu vas faire à la cave? On va le découvrir tout de suite, allons-y, famille, la famille, on est arrivé à la cave, on va wine un peu, d'accord? Oh là là. Let's go. Allez, allons voir la cave. Jusqu'à je cours. Ah oui, t'as bien digéré là. En fait. C'est ok, allons-y. On est arrivé à la cave. Ils ont plus de 3500 références. C'est-à-dire que là, ce que tu cherches. Ce que tu cherches. En vrai, ce que tu cherches, tu le trouves. Si tu le trouves pas, c'est que ça n'existe pas. En vrai, ce que tu cherches, c'est là. C'est là. Je sais pas ce que tu cherches, mais en tout cas, c'est là. 3500. C'est 3500. Do you know what it is? 3500. 3500. Viens voir le ruinard. Oh là là, le ruinard. Regarde-le ici. Regarde-moi ça. On déguste quoi là? Est-ce que vous avez vu le sourire de votre go? Non, moi je suis là pour travailler. Oui, c'est pour le travail. Moi je suis là pour travailler. C'est uniquement pour le travail. Je ne prends aucun plaisir là. C'est vrai. C'est uniquement pour le travail. En tout cas, si tu as une petite soirée à faire, une petite fête à faire, tu passes ici. On vient de trouver une bouteille qui a été embouteillée en 1899. Et si je me trompe pas, le monsieur il a dit Carrel, elle se vendait à combien? Elle a dit 26 hein. 26 000 euros la bouteille. Elle a dit 26 000, je crois. Voilà. Je crois. C'est ça. Ça, c'est quelque chose. Attendez, votre go vient de découvrir un truc. On va voir si t'es une championne. Attends. Vas-y. Explique, pardon. Je t'ai dit, je vais être une championne. Comment ça, championne? Parce que je suis prêt à lancer à payer le verre pour que tu testes là. Vas-y, je vais explique, pas, explique. Bien sûr que je vais pas savoir. Explique. Alors, sur la carte du coup du bar de la cave, il y a un verre, ça s'appelle le verre de vin à l'aveugle. Devinez le vin en question, une bouteille vous sera offerte. T'es chaude ou t'es pas chaude? Je suis pas chaude du tout. Je sais que tu peux le faire. T'as vu? Je suis sûr que tu peux le faire. Non, je suis pas. En fait, même celui qu'on vient de boire. Je le maîtrise pas alors qu'il a déjà dit son sourire. On dirait qu'elle commence déjà à être un peu. Je suis bien. Il a déjà dit deux fois ce que c'était et j'ai pas retenu. Il est actuellement 15h45. Nous avons fini la cave. Manger chez Hélène. Nous avons mangé chez Créature. Créature. Elle vient de prendre un verre. On vient de faire un petit stop au niveau de la cave. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, on continue. Eh ben, on va encore manger. Si ça, c'est pas. C'est des vacances. On va dire c'est des vacances. On va mettre ça sur le coup du voyage. C'est le décalage horaire. Je pense qu'on est à peut-être 7800 calories. Et là, nous allons à la belle broche. C'est. Là, ce que je vois là, j'ai encore faim. Donc, nous sommes à la belle broche. Vous l'aurez compris, c'est du poulet rôti. Mais pas que. Il y a aussi des travers de porc. Pourquoi tu dis ça comme ça et tu m'attrapes? Parce que c'est toi la spécialiste. Oui, effectivement. Exactement. Et il y a plein d'autres choses. La carte a l'air. Mais les poulets sont en train de dorer. C'est-à-dire que je les ai vus en train de tourner dans la broche là. Malgré tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Non, mais les poulets. Même quand on a plus faim, c'est comme le dessert. Le poulet, c'est le même qu'on a fait. Elle a dit le poulet, c'est comme le dessert quand même. Est-ce que quelqu'un peut noter cette phrase en commentaire? Regardez, écoutez. C'est comme le dessert. Écoutez, le dessert. Non, j'ai le droit de m'expliquer. Le dessert. Même quand on a plus faim, il y a toujours de la place pour le dessert. Donc il y a toujours de la place pour le poulet. Il y a toujours de la place pour le poulet, mon frère. Toujours de la place pour le poulet. La belle broche, Galerie Lafayette. Venez, on va vous montrer à quoi ça ressemble petit.
le métier de créateur de contenu, c'est un métier difficile quand même. Il comporte des risques. Vraiment. Hein, de... On n'en parle pas assez des calories ingérées et qu'il faut perdre après. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce poulet, comment il est doré, rôti. Regardez-moi ces pommes de terre. Je t'aime beaucoup, hein. Tu sais que je t'aime. Oui, je sais, tu veux, je m'en aille. Ouais, j'aimerais bien que tu te décales un peu. Merci beaucoup. Mais je t'aime, tu sais. Merci. Que je t'aime. Merci. I love you. Merci. Bon, quelle heure il est, Karel? 16h29 exactement. 16h29. On a commencé à quelle heure la journée? On a commencé à 9h30, 10h30. Je crois qu'on a commencé vers 10h30, 11h. On a commencé vers 10h30, 11h. Ça y est, nous avons atteint nos 10 000 calories. Là, on a fait. Mais on a fait combien de pas? Attends, parce qu'on a quand même marché. On n'a pas marché beaucoup. On a fait 6 350 pas. Et ah là, oui, bien évidemment. Là, vous avez le poulet rôti et vous avez et le travers rôti qu'on ramène pas à la maison. Finir, voilà. Parce qu'on n'a plus de place. Et là, on vient de passer devant tout ce qui était pâtisserie, les macarons. J'en ai les larmes aux yeux parce que j'avais envie de tout croquer, tout manger. On va revenir. On va revenir aux galeries. On vous montrera pas tout parce que c'est trop bon et il faut qu'on revienne. Mais on a passé une belle journée. En tout cas, on a passé une belle journée gourmande. Ouais. Du coup, on vous invite et en fait, à ça faire qui est bien. Ce petit circuit parce que honnêtement, vous pouvez venir le matin. Tu peux passer toute la journée. Et tu peux manger tout au long de la journée. Tu peux pas venir aux galeries, tu dis t'as faim et tu manges pas. Ouais, non, c'est mort. Il y a tellement de choix. Petit déjeuner, goûter, dîner. Là, j'ai même vu des glaces. Des glaces libanaises. Tu veux un petit shopping? Un peu de sport en bas. Ouais, wellness, massage. Ouais, non, t'es bien. On a vu sauna aux infrarouges, c'est ça? Ouais, c'est un sauna avec une lumière infrarouge. En fait, tu sors des galeries, t'as le sourire. Tu vois, non? T'as le ventre plein. Et du coup, comme t'as le ventre plein, bah, tu souris. T'as les sacs pleins avec les courses. Voilà. Et t'as le sourire. Bon, les galeries, la famille, vous pouvez nous rappeler, nous faire revenir quand vous voulez. Hein. Quand vous voulez, on revient avec grand plaisir. Je me suis même tachée, peut-être que même ça va se voir. Ouais, elle s'est tachée parce qu'elle n'a pas pris son bavoir. Bon, les incroyables, bonne journée. Merci à très bientôt. Ciao. Ciao.